Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Confinement Créatif, le numéro 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Mumuse avec Pepacura. Pepacura, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui vous permet de prendre une mèche 3D et de l'aplatir, entre guillemets, pour pouvoir ensuite l'imprimer et la construire avec du papier ou avec un autre média. Là, j'ai pris une mèche qui est un ours et que j'insère dans le logiciel. Je vous ai mis des liens vers le logiciel, qui est un logiciel payant qui coûte 38$. Si vous faites beaucoup de Pepacura, ça vaut le coup. Et avec la fonctionnalité de pouvoir justement prendre des objets en 3D et de pouvoir les déplier d'une certaine façon automatiquement sur des feuilles de papier. Dès qu'on a déplié, ensuite, on a tout un processus manuel qui est de justement réorganiser et réarranger toutes les parties pour faire en sorte d'optimiser, entre guillemets, et d'avoir le moins de pages possible et le moins de découpes et de pliages à faire. Ça, c'est un processus qui malheureusement n'est pas automatique. Alors, il y a un processus automatique mais qui est un peu pourri, et malheureusement, ça, vous allez de le voir, le faire à la main. Et comme vous le voyez ici sur mon ours, que je voulais faire de 50 cm, en fait, il y a beaucoup trop de triangles, la géométrie est trop compliquée, et ça prend, je sais plus combien de pages, mais ça prenait un sacré paquet de pages. Donc j'ai décidé de, puisque c'est une des fonctionnalités qui est à l'intérieur de Pepacura, justement, d'aller supprimer certaines des faces à droite à gauche, pour pouvoir ensuite éventuellement aller le déplier de façon un peu plus sympa, entre guillemets. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un logiciel de 3D, et donc j'ai eu crash sur crash, et au bout d'un moment, j'en ai eu un tout petit peu marre. Après une demi-heure de boulot à enlever des éléments sur le modèle de mon ours, en général le logiciel il crachait dès que je voulais faire le dépliage. Donc j'ai décidé de partir sur un modèle un tout petit peu plus simple et surtout un modèle que je vais créer. En ce moment je suis à fond dans tout ce qui est le logo de l'ancienne Nintendo 64. Donc je suis allé sous Rhino et j'ai fait deux modèles, un d'un pied seul et l'autre du logo en entier. Donc je fais exactement le même processus, j'ai importé la mèche, je lui ai donné une dimension, et là je commence à découper les différents éléments et à les placer à droite à gauche. Vous avez vu, c'est relativement simple, je l'exporte, je le mets, les deux fichiers, aussi bien celui pour le gros logo Nintendo que pour le petit, sont disponibles, je les ai mis sur le drive, et vous pouvez les imprimer, et bien sûr j'attends vos photos sur Amstramgram de me montrer un peu ce que vous avez fait pendant ce temps de confinement. Est-ce que vous avez réussi à faire le logo Nintendo 64? Et donc dès que la conception a été faite, on passe bien sûr à la réalisation. Donc j'ai imprimé les 4 premières feuilles du quart en fait du logo Nintendo 64 pour voir quelles sont les contraintes et comment est-ce que ça marche. Pour ça vous pouvez utiliser plein de choses, vous pouvez utiliser des ciseaux, vous pouvez utiliser un cutter, moi personnellement j'utilise un scalpel et en le tenant bien droit et bien correctement, moi je le découpe comme ça à main levée, ça marche plutôt pas mal. C'est un processus qui est un tout petit peu long, mais qui, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez le faire avec des ciseaux si vous faites ça avec des gamins. Vous pouvez aussi prendre des modèles un tout petit peu moins compliqués. Il y en a plein qui existent, il suffit de rechercher Pepacura ou PDO sur Google et vous trouverez plein de résultats. Maintenant, je passe au pliage, puisqu'il y a tous les flaps et toutes les faces doivent être pliées. Donc j'utilise le côté pas coupant de mon scalpel pour en fait marquer mon papier et pouvoir le plier correctement. Et je fais ça sur absolument tous les éléments. Pour ensuite pouvoir commencer le processus de collage. Sur le PDF et même sur le PDO, vous verrez, il y a des petits numéros qui suffit de faire correspondre. Par exemple, vous faites correspondre le numéro 73 avec l'autre numéro 73, vous le collez et pif paf pouf, vous avez votre premier lien qui est fait. Et il faut faire ça sur absolument tous les éléments. Celui-là est relativement simple, je ne sais plus combien de faces et de collages il y a, mais ça m'est arrivé de faire du Pepacura, en particulier au tout début, j'ai fait un casque de Stormtrooper et j'avais fait aussi un casque de Iron Man, où il y avait plus de 6000 faces.
Certaines fois, certains collages sont un tout petit peu chauds, ça m'a donné justement la tactique pour le montage du vrai logo Nintendo 64. En sachant que ce qui est important, c'est d'aller justement coller en premier les faces qui sont difficilement atteignables, c'est-à-dire les faces à l'intérieur. Donc j'ai pris mon PDF qui fait 15 pages, et j'ai découpé et plié tous les éléments. Alors, ça m'a pris à peu près, je pense, 4 ou 5 heures de découper, plier et coller tout ça, en sachant que j'ai fait pas mal de pauses, parce que les numéros sont écrits tout petits, et j'ai du mal à voir les numéros, donc je suis obligé de mettre mes espèces de lunettes. Pour rester bien concentré, c'est important de temps en temps prendre des petites pauses. Donc on prend l'air, on va faire un tour à l'intérieur de l'appart, on se dégourdit les jambes, etc. Et ensuite, on refait ça. Le plus gros problème, c'est de trouver quelle pièce va avec quelle pièce. Sur le logiciel Pepacura, il y a deux versions. Il y a le logiciel Pepacura Designer qui vous permet justement de designer vos propres petits objets à créer en papier. Et il y a aussi Pepacura Viewer. Pepacura Viewer, il est complètement gratuit. Vous téléchargez le PDO, qui est le format de fichier pour les fichiers Pepacura. Et vous pouvez l'imprimer et modifier certains éléments, comme la couleur, la taille des numéros, etc., etc. Et il vous permet, par exemple, si vous avez un portable ou quelque chose sous la main, de voir justement les différentes pièces, savoir où elles sont situées dans la géométrie, et d'être un tout petit peu moins perdu que je l'ai été sur cette fabrication. Cette fabrication, en tout cas, elle a été plutôt fun. Ça m'a occupé quasiment une journée et demie. Donc si vous vous embêtez, n'hésitez pas à faire ce petit modèle. Je le laisse bien sûr librement pour tout le monde pour faire mumuse. Moi, en tout cas, je me suis bien marré, c'était bien rigolo. Et voilà le résultat, le logo Nintendo 64. Alors, il y a quelques petites merdouilles à droite à gauche, mais qui, globalement, est plutôt pas mal. Faites des trucs, inspirez-vous, restez chez vous. Stay safe et que la barbitude soit avec vous.